La Turquie est un pays tranco-occidental situé au confins de l'Asie et de l'Europe. Elle a des frontières avec la Grèce, la Bulgarie, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Elle est bordée au nord par la mer Noire, à l'ouest par la mer Méditerranée. L'Europe et l'Asie sont séparées par la mer de Marmara avec les détroits du Bosphore à l'est et les Tarendelles à l'ouest. Il s'agit d'une république arménienne présidentielle dont la langue officielle est le turc. C'est un pays de plus de 81 millions d'habitants. La Turquie est composée de 99% de musulmans, avec une importante minorité kurde de 19,5%. Sa capitale est Ankara. Monsieur Abdullah Gül est l'homme d'État turc, cofondateur du Parti de la Justice et du Développement, AKP, et président de la République de la Turquie de 2007 à 2014. Et Monsieur Recep Tayyip Erdogan est le cofondateur du Parti de la Justice et du Développement, Premier ministre de 2003 à 2014 et président de la République de Turquie depuis 2014. En Turquie, il y a plusieurs villes et monuments à visiter. La Turquie est riche de sa cuisine délicieuse et unique. Parmi les traditions les plus connues pratiquées par les Turcs, on y trouve la nuit de la henna prend place avant le jour du mariage. Les femmes se rassemblent pour fêter ce jour en dansant et en chantant. Le service militaire en Turquie, obligatoire à tous les garçons à l'âge de 20 ans. En Turquie, il y a la combat des chameaux, qui est nommée les chameaux lutins. Les gens arrivent de toutes les régions pour cette journée spéciale. C'est un spectacle qui se réalise en hiver dans le sud de la Turquie. Le Nazar Bonglou est une perle bleue. C'est un article traditionnel en Turquie. Les gens croient que cela empêchera de la mauvaise œil. La danse de Derviş Tourneur est intéressante en Turquie. Chaque année organise ce spectacle à Konya. En Turquie, il y a plusieurs fêtes et festivals qui célèbrent, comme par exemple le Festival international de danse se réunit chaque année à la fin de mars, au début d'avril. Il en a beaucoup de shows, de cours de danse comme de salsa, kizomba, bachata dans divers endroits dans la ville par des professeurs de danse experts. Au mois d'avril, il fait bon de visiter Istanbul, la ville fleurie, encore un peu plus ornée de fleurs qu'à son accoutumée. Pour la fête de la tulipe à Istanbul, fleurs hautement, les parcs d'Istanbul, les places majeures se font une beauté. Des millions de tulipes sont plantées par terre, en tapis, en décor, en sculpture. Les arrangements floraux sont somptueux. Le festival du shopping à Istanbul. Venir à Istanbul au mois de juillet, c'est pouvoir profiter du shopping sans se ruiner durant un mois complet. De nombreux événements, comme des défilés de mode, de la musique, des opérations culturelles dans les rues sont organisés tout au long du festival culturel.